Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Salut à tout le monde. Aujourd'hui, je vais au col du Lysée, c'est-à-dire au-dessus du plateau. Je vais monter d'abord au plateau à 1600, puis après, je vais essayer d'aller au col pour aller au Soum des Aulières à côté et redescendre par la crête, la petite crête du Pen Blanc du Lysée qui se trouve juste au nord du plateau. Donc là, je vais monter par les 21 lacets habituels du chemin du Lysée. Je couperai peut-être un petit peu au 14 pour aller un peu plus vite. Et puis je vous retrouve là-haut parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ce parcours-là. Voilà, donc je suis au virage 14 au bout de 37 minutes. À droite, le plateau du Lysée par les boucles habituelles et les 21 virages. À gauche, le sentier du Lysée qui est plus récent, plus raide, mais qui arrive plus vite sur le plateau. C'est ce que je vais faire ce matin. Je suis au premier panneau d'information. C'est vraiment passionnant sur le... les coulées de boue qui ont eu lieu à la fin du 19e siècle et puis la reforestation qui a suivi parce que il n'y avait plus du tout d'arbres sur le plateau du Lysée quasiment, on le voit ici. Donc ça descend bien en ce moment. Un peu plus de 1400 mètres d'altitude sur le petit sentier là, intérieur du Lysée, il y a une cabane et on a une vue assez prégnante sur la vallée d'en face avec le Monet, mon préféré. Donc le Monet là-haut, le Catarabe en dessous, et puis ici, juste en dessous du Catarabe, c'est le sommet où j'étais avant-hier, celui qui n'a pas de nom à 2492. Devant nous, là, les deux pointes vertes du Cap des Blancs, à 1974 et 77, et surtout devant le Peyrener où j'étais en début de semaine, en 1747, qui est quand même difficile d'accès, puisqu'on y arrive par là. Il faut revenir sur ses pas pour aller au sommet principal. Bon, 1h02 depuis la voiture. Je suis sur le plateau du Lysée. Toujours aussi beau. Et puis à cette heure-là, 7h24, il n'y a pas trop de touristes. Donc on a le pic des Bains là-haut, où j'étais allé à la Toussaint, à 1929. Toute la crête entre le pic des Bains et le Soum de Liard qu'on voit pas, mais qui est derrière cette pointe là, on y accède en montant ici dans cette petite combe. C'est très très raide, ça paraît pas, mais c'est très très raide. Et moi aujourd'hui, je vais essayer d'aller au Soum des Aulières là-haut qui est le Turon là, et je redescendrai par la crête nord du vallon du Lysée, et puis je reviendrai par le sentier habituel. Donc on ouvre et on referme le portail à bestiaux, mais il n'y a pas de bestiaux. Enfin, moi, je sais pas si je compte comme un bestiaux, peut-être. Voilà, je m'enfonce dans le vallon du Lysée. Alors dans ce vallon, il y aurait un projet de remontée mécanique pour rejoindre les poteaux là-bas de la vallée de la station de ski de Luzardiden. Je pense, moi, que ça serait bien de mettre des poteaux en ferraille là dans ce vallon. Je pense qu'en 2023, on peut envisager ce genre d'aménagement de l'environnement. C'est une bonne idée. Je pense que ça embellirait le coin. Il y a quand même des tarés, hein. Ils vont peut-être y arriver en plus, ces crétins, à mettre des poteaux en ferraille et des télécabines ici. C'est... Du moment que les ancêtres se retournent pas dans leur tombe, ceux qui vivaient là il y a 50 ou 100 ans, ça va. Mes amis du jour, elles sont juste devant l'entrée du sentier. Je sais pas qui a le plus peur de l'autre, je pense que c'est pas moi. Il paraît que c'est pas la taille qui compte, mais enfin, 800 kg contre 62, je peux perdre, ou au moins pas gagner le match chalet. Ça va les mémères? Ça va Narcisse? Oh, elle est pas contente, elle baisse la tête. Vous êtes très belle, me dit François Hollande. Assez majestueux quand même ce vallon. Mais j'ajouterai une télécabine. C'est vrai que c'est l'endroit idéal, l'endroit rêvé. Vous rapprochez discretos quand j'ai le dos. Vous jouez un, deux, trois soleils en fait. Je vous vois. Allez. Ça va, déstresse.
J'ai rien pour vous. Vous lui montrez... J'ai qu'un sandwich, alors non, pas aujourd'hui. Non, non. Bon, je suis à 1800, à peu près. Donc j'ai la crête en face entre le Soum de Liard centré et le Pic des Bains que j'avais parcouru il y a quelques mois. Quant au vallon, bah, toujours bien. Les vaches m'ont pas suivi finalement. Elles ont vu que j'étais un velu. Salut à tous. Je suis arrivé au col du Lisé à 2084 mètres. Le plateau en bas avec le troupeau. Et puis moi je vais aller là-haut, à côté de cette belle construction traditionnelle métallique, pour aller au Soum des Olières là-bas et puis redescendre sur la crête qu'on commence à deviner qui est côté ombre, mais je vais essayer de la filmer tout à l'heure ensoleillé. Bon, j'arrive au Soum des Olières. Pas trop sauvage comme coin, malheureusement. Je vais essayer d'aller au sommet pour voir comment se dessine la crête vers le nord. Voilà. Bon, c'est l'autre. C'est pas grave. J'y vais. La vue depuis le Soum des Olières. Viscose. Caballeros. Monet. Péguerre. Etc. là-bas. Devine le vigne mâle. L'ariumné là-haut, mais bon, un peu défiguré dans le bas. Et Cotré, toujours à sa place. Donc là, je vais essayer de descendre sur cette crête. Je vais essayer, hein, parce que d'en bas, elle paraît pas compliquée, mais de là, on va voir. Je ferai peut-être quelques zigzags. Meant to be in the great outdoors, forever free. Step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Bon, il est presque 9h, au bout de 2h30 de marche depuis la voiture et puis un bel arrêt ici. Je descends du Soum des Olières et puis à 2160 et j'essaye de descendre sur la crête donc du Pen Blanc du Lisé, hein, qu'on voit là devant. Qui descend comme ça et comme ça, et puis après je retrouverai le vallon, j'espère. Mais ça commence assez fort. On voit bien Cotré, c'est loin. Alors là, par contre, je vais poser la caméra parce que la crête elle est quand même un peu escarpée, c'est humide, donc on va rester calme. J'ai encore une bière au frais, j'aimerais bien en profiter de mon vivant. Là, je suis dans un passage raide un peu plus bas, là, à 2110 dans les sapins, mais là je suis obligé de m'accrocher un peu aux branches, c'est le cas de le dire, parce que ça descend fort. Et en fait, dans les rhododendrons, ça glisse un peu. Donc, vous voyez, il y a des passages un peu plus délicats. Il y a toujours la sente des isards, mais ils sont passés d'ailleurs. Il y a des petits sommets tout le long là, des petits tucs. Donc je peux pas marcher carrément dessus, enfin je pourrais, mais c'est pas super utile, c'est épuisant, donc je les contourne. Et puis j'essaie de descendre sur le fil. Donc, je descends toujours sur 2047, elle est un petit peu aérienne, elle est un petit peu difficile. On est obligé de s'assurer un peu avec les mains de temps en temps, mais elle est vraiment superbe. Et on peut quasiment toujours rester sur le fil. Il y a toujours la sente à gibier, là qui longe carrément vraiment le fil de la crête. Alors on voit que c'est pas emprunté, hein, il y a quand même des cailloux qui bougent. Enfin, c'est pas emprunté par les humains, c'est sûr. Moi, je vais y aller doucement. Jusqu'au Pen Blanc là-bas, qu'on commence à deviner.
au-dessus du vallon du Lisée. Ah, le premier nuage accroche le Monet. Et vous voyez, je reste en file, hein. Je reste vraiment dessus là. C'est une très belle crête, très accessible, sans danger particulier. On regarde où on met les pieds, mais franchement, c'est pas abrupt ni de droite ni de gauche. Et quand ça l'est, on redescend un peu dans un des deux vallons, Rioux ou Lisée, pour passer un peu en dessous de la difficulté. Mais encore une fois, bonne pioche, ce parcours que j'avais prévu sur la carte. Ça descend progressivement, là je suis à 1963, donc ça descend pas super vite, on arrive à vraiment profiter de la vue. Et puis quand on aime le massif du Monet comme moi, bah, on n'est pas déçu avec le soleil dans le dos là. Et regardez, hein, elle est très belle hein, cette sente. Bon là j'ai une dalle, donc c'est un peu plus risqué, un peu plus dangereux. Et puis elle est large. Et puis elle continue surtout à 20 ou 30 ou 50 mètres plus loin. Donc là je vais contourner par le vallon du Lisée un peu plus bas. Là je vais me trouver une sente pour passer un peu plus bas. Une heure et demie de descente dans des endroits pas trop faciles en dessous de la brèche, en dessous de la roche. Je vois le Pen Blanc. J'essaie de me diriger vers lui en remontant un peu. Je suis à 1811. Bon, je suis sur ma crête à 1830. Je vais essayer de rester à peu près là, descendre le long de la crête encore pour à 1750 trouver le vrai Pen Blanc qui est matérialisé sur la carte. Et puis bah, normalement il y a un sentier qui peut me ramener au Lisée. Mais là pour l'instant je ne l'ai pas. Donc c'est pas très grave parce que si c'est pas pentu je vais pouvoir descendre, mais sinon ça va me faire faire des détours. Donc je continue tout droit, toujours vers Cotteray. Il fait toujours aussi beau, je suis à 1815 au-dessus de Cotteray. Et là j'ai une toute petite sente parce que la crête elle est un petit peu escarpée. Donc la sente passe un peu plus bas, la sente des Isards. Et sur un caillou, j'ai un marquage point rouge, donc qui a priori redescend vers le sentier de la Reine Hortense. Du moins j'espère. Je vais essayer de le suivre pour pas me taper une descente trop raide. J'arrive de là-haut, quand même. Bon, je suis redescendu dans une forêt, c'est un peu scabreux, ça glisse un petit peu, mais il y a des marquages de temps en temps et quelques points rouges sur des arbres. Et donc là, je suis arrivé au Pen Blanc du Lisée, 1750 environ. Donc c'est celui qui est indiqué sur la carte. Donc là, ça descend super raide vers le vallon du Lisée qu'on voit encore là-bas. Et donc moi, je vais redescendre, pas sur la partie abrupte évidemment. Je vais essayer de retrouver un sentier un petit peu plus bas, mais ça a l'air un peu plus calme dans la forêt là, j'espère. Ouais, c'est vrai. Ça a l'air de passer. Je vais le suivre, c'est pas très marqué, hein, mais ça suffit. Bon, j'ai retrouvé la petite sente marquée point rouge sur les sapins qui redescend vers le plateau du Lisée. Elle est difficile, je la déconseille. Là encore, ça commence à sécher, mais il y a des passages vraiment abrupts, un peu aériens, il n'y a aucune protection évidemment. Hein. Donc, grande prudence, parce que là, la chute, elle fait mal. Bon, après une descente bien raide dans la forêt en hors-piste, là, je suis revenu à 1630 à peu près. Je retrouve le grand sentier presque carrossable qui arrive au plateau du Lisée par la Reine Hortense. Donc je vais le reprendre puisque je suis garé de l'autre côté là, puis j'aime bien le chemin du Lisée. Donc je vais le reprendre en descendant. Ça fait 4h30 que je suis parti. Je suis monté là au col. J'ai parcouru une partie de la crête de Pen Blanc qui est pas facile tout le long du tout. Bon voilà pour quasiment la fin de cette vidéo. C'était un beau parcours, une jolie boucle, pas toujours simple. Là, je vais redescendre par le sentier tranquillement, récupérer la voiture. Je vous dis à la prochaine, j'ai la trace GPS si ça vous intéresse. Salut! Bon voilà, je suis de retour à la voiture. On peut la garer un peu plus loin, là, sur le bord de la route. 14 km, 1221 mètres de dénivelé positif. En 5h28, bon voilà, ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire dans ce coin-là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine fois, je sais pas où je vais, à la prochaine balade, ça va dépendre du temps et puis de la fatigue. Salut !